Salut à toutes et à tous, c'est IceRed et je suis aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, sur le menu du jeu Shootmania Storm, un jeu qui est pour l'instant en bêta, là c'est une bêta fermée, et je vais pas en dire plus et je vais tout de suite vous faire la présentation. A tout de suite. Voilà, alors on se retrouve dans la présentation de ce jeu. Alors Shootmania Storm, c'est un jeu développé par Nadeo et édité par Ubisoft. Il sortira en France le quatrième trimestre 2012. C'est un jeu de tir à la première personne qui propose qui propose aux joueurs de créer leur propre map pour pouvoir ensuite les partager au monde entier. La même chose que pour Trackmania. Ensuite, il y a trois modes de jeu là pour l'instant dans cette bêta. Il y a le mode qu'on a actuellement sous les yeux, c'est une sorte de domination. C'est le premier qui a 100% qui a quasiment chopé en fait tous les poteaux, parce que c'est réparti en poteaux, qui a chopé ses trois poteaux à 100% qui gagne la partie. Ensuite il y a un mode mêlée générale où là c'est vraiment du grand n'importe quoi, ça tire dans tous les sens, c'est seul contre tous, c'est assez rigolo. Et un troisième mode que personnellement je n'ai pas encore eu le temps de découvrir, donc je peux pas vous en parler. Ensuite là on voit, c'est un spectateur, hein, on peut aller voir les d'autres personnes. Voilà, on voit là, je voulais justement vous en parler, quelqu'un qui est en mode sniper. Il y a trois types d'armes dans ce jeu. Il y a le team normal que tout le monde a, voilà, quand on est comme ça en extérieur, où on peut tirer comme ça 4 balles et ça se recharge automatiquement. Et ensuite on a ce système déjà de sniper où il faut être sur des plateformes spéciales. On peut zoomer et là c'est fait du one shot direct. Et ensuite on pourra pas le voir sur ce... Alors là on voit la map, mais on pourra pas le voir ici. C'est quand on est en souterrain, on a une sorte de lance-grenade qui fait que ben, y a des grenades qui sautent. Et il y a un délai de 5 secondes avant qu'elles explosent. Je trouve personnellement que c'est assez... Voilà, il faut zoomer. Donc on a plus sniper. Et voilà. Ensuite on voit en bas là une sorte... C'est une jauge, c'est-à-dire une jauge d'endurance. Après avoir appuyé sur la touche de saut, si on reste appuyé sur la touche de saut, on aura le droit à un petit bonus de vol. Juste au milieu, c'est la barre de vie, on a deux points de vie. Et voilà, après on a les au niveau du chargeur qui se remplit automatiquement. On a 4 balles quand on joue normalement. Une balle au sniper et 2 balles quand on est au lance-grenade. Voilà, alors je vous ai bien présenté le jeu, je pense, donc maintenant on va pouvoir passer à un petit moment de gameplay. A tout de suite. Alors nous voici dans la partie gameplay, la dernière partie de cette vidéo. On va voir en direct une partie. Alors là c'est mêlée générale, ça va être du gros bordel. Je vais me faire détruire, mais c'est pas grave. C'est un peu long à démarrer par contre. On voit que ces petites parties là... Peut-être pour les snipers. Ah non, c'est là les snipers. Attendez, le mec là. Ouais, alors il y a un problème ouais, sur cette bêta, c'est que les... On a en mêlée... Oh putain. Oui, si tu sors de la map, tu te fais électrocuter et tu meurs. Il y a un petit truc que je rapprocherai à cette bêta pour l'instant, c'est... C'est les spawns là, dans ce type de... De partie, c'est que tu te retrouves avec des mecs qui se posent juste à côté de toi, qui arrivent et qui te fument en 2 secondes. Bon, je fais n'importe quoi. Je vais essayer de vous montrer un autre mode de jeu après si j'ai pas. Ouais, mais là. Go, go, go. Ça lagouille un petit peu, ouais. C'est un peu dommage, c'est pas grave. Je pense que ça doit être. C'est quoi ces zones là? Tu peux pas tirer. Je me suis fait allumer moi. C'est pas grave. Oula. Les deux ils se sont fait avoir.
Ouais. Putain, ouais, la zone de sniper est hardcore à choper. Ah, coucou. Ouais, yeah. Yeah. Ah, je suis bloqué. Je me suis fait avoir. Mais comme une bouse. Et on est 38, waouh. Oh merde. Oh joli. Mais c'est pas facile à toucher ou à tuer quelqu'un. Il tire un peu dans tous les sens. Et puis je vais l'user cette bêta parce que franchement ce jeu il promet. Il est bien sympa. Ouais, on va retourner au sniper à moins que je me fasse tuer, ouais. Alors ce qui est pute aussi, je pensais que tu te mets là. Pas capable de me faire tuer. Putain, je suis en train de me faire tuer ça, truc. Mais non, il y a la grille qui bloque, je suis bête. Un peu tu tires et puis... Oh, j'en ai eu. Ouais, j'ai touché quelqu'un avant de mourir. Pas mal. Je suis sûr que ça doit... Putain. Je suis sûr que ça doit exister des maps que du sniper ou que en sous-sol. Oh, cette touche là à la fin. Oh, je l'ai même éliminé. Magnifique. Bon, bah on va se laisser... Voilà. C'est moi, je fais combien en fait? Pour rigoler. Ah, 35e. Wouhou. C'est moi. Bon, elle est annulée. Bon, on se laisse là pour ce mode de jeu. On vient de voir le mode mêlée générale et on va essayer de voir un peu de la domination. A tout de suite. Alors, on se retrouve en domination. On voit qu'il y a deux lignes de 4 poteaux et nous, faut qu'on aille choper nos 4 poteaux avant, avant les autres. Bon, ça démarre bien. Yo. Ah bah c'est la touche de souhait, c'est le clic droit, donc par moment on se plante un peu. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est le jeu qui est comme ça. Oh joli. C'est pas un sniper. J'aime bien faire du snipe. Oh, je me suis fait allumer. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de sniper. C'est dommage. En plus sur ce mode ça peut être sympa. T'en fous, je tire à travers la map. Quand c'est allumé. Oh oh. J'ai trop le réflexe du clic droit où tu zoomes en fait. C'est pour ça que je fais n'importe quoi. Bon. Youhou. Cours, cours, cours. Ah ouais, je vais aller chercher le poteau. Vite, vite, vite. Ah merde, on est en défense. Il reste... Ah, dommage. Oui, parce qu'en fait, pour pouvoir prendre nos poteaux, on a un certain temps. Il y a un moment, il y a pendant genre, je crois que c'est une minute, tu défends et les autres prennent leurs poteaux. Et après, ça alterne. C'est assez... c'est bizarre, je trouve, personnellement. Mais bon, parce qu'on voit qu'il y a 92% à zéro, donc... Et moi, je suis en train de me faire tataner la gueule. Youhou. Youhou. Non mais vas-y. Ah oui, de vie ça se volatile, hein. Ça se volatilise en un coup. Et on voit, ça c'est sympa je trouve, le classement et tout. Oula. Oui, gagné. Les bleus ont gagné. Ouais, 3-0. Ouais. On va essayer d'en refaire une petite. Allez, on se reprend au début de la deuxième manche. Bah non, ça tout de suite, voilà. Voilà, nous les rouges on était par là. Il fallait qu'on prenne ces 4 poteaux là, les bleus. Allez, on se retrouve tout de suite pour la première manche de ce championnat. Non, je déconne. Je vais essayer d'aller jusqu'au point de... Au point de sniper. Pour vous montrer. C'est assez marrant de voir que tu one-shot les mecs.
très facilement. Faut essayer de s'en faire toucher, ce serait le plus... Oh, ce serait l'idéal, attention, j'y vais. Ouh, il y avait déjà quelqu'un. Ah, la sniper, peut-on pas tomber? Oui, le rechargement est un peu plus long que... normal. Et un mec, putain. Ouais, je tire n'importe où! Est-ce que... Non, tu peux pas. Voilà, y'a plus personne, on va se déplacer. On va se déplacer. Ah oui, mais on est en train de gagner. Oh, oh, cette élimination, magnifique. Ah, dommage, j'étais en train de prendre le poteau. C'est une très belle map. Ah oui, c'est la map que... C'est la map de la présentation du jeu que je vous ai faite. Je vais accéder là. Oh. Ça va être hardcore. Yo. D'accord, ça a même pas sauté. Yo. Ah si, tu peux y accéder en fait par là. Un petit one shot serait sympa là. Ouh, pas mal. Il a sauté au dernier moment. Barre-toi. Ouais, ça va, là l'eau n'est pas... ne tue pas. Certaines maps, l'eau, ça fait comme si tu sortais de la map, elle te tue automatiquement. Ça fait que tu passes un petit peu pour un con. Bon, allez. Allez, allez. Ok, bon. Bon ben on va arrêter le massacre, hein. On va se laisser ici, c'était bien sympa cette petite vidéo là, de présentation de Shootmania. Je vous rappelle qu'il sort le 4e trimestre 2012. Puis voilà, c'est un FPS, et voilà. Et puis ben, j'espère que cette vidéo vous a bien plu, puis si ça vous a plu, ben... Oula, attendez, attendez. Oh non. Non, tu passeras pas. Mais tu es... Bon allez, je vous laisse ici. A plus, c'était IceRed pour A Team Gaming Forever.